Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine de vlog, je suis en robe de chambre. Spécial Shein. Là je m'apprête à tourner une grosse vidéo qui va prendre un petit bout de temps. Il est 9h et quelques. Ouais. Je vais faire une vidéo. Je vous montre pas trop, quoi qu'elle sera déjà sortie peut-être. Si j'ai la foi, je la mettrai plutôt jeudi à la place de celle que j'avais déjà tournée. Bref, je m'apprête à faire une vidéo lookbook. En fait, je me suis dit que ça serait cool de faire parce que là, mardi, donc demain pour moi, il y a la vidéo Shein automne qui sort. Et c'est vrai que je vous montre les vêtements comme ça, portés et tout, mais juste en try-on vite fait. Et là, je voudrais vraiment vous faire un lookbook, c'est-à-dire prendre, je sais pas, je crois que je vais faire 5 tenues et les associer, genre vous montrer comment je les porte dans mon quotidien avec chaussures, accessoires, manteaux, machin, vraiment pour l'automne. Ça va, Marat? Donc ouais, je vais faire ça, donc j'ai plein d'idées de look. Donc là, ça va me prendre un bon bout de temps déjà, le temps de faire les looks et puis voilà, je viens de finir de me préparer. J'ai les yeux qui n'arrêtent pas de pleurer, c'est chiant. Donc déjà je vais faire ça et puis je vous retrouverai après parce que j'en ai pour... Et quelle heure? Ouais, j'en ai pour plusieurs heures. Donc voilà, je voulais déjà ouvrir le vlog et puis let's go. Non mais franchement, c'est trop peu de chambre. Waouh, elle est trop belle. Bon, par contre, je vous montre pas trop parce que c'est un peu les portes ouvertes à toutes les fenêtres. Hein. Vidéo tournée. J'ai commencé, il était 9h et quelques. Et là, il est midi... Midi 7. Voilà. J'ai tellement chaud. J'ai enfilé un t-shirt et une culotte. Enfin, j'avais déjà ma culotte, en fait. Mais j'ai rien mis en bas. Donc, je vais pas me balader pour pas que vous me voyez en petite tenue. Donc, voilà, je viens de finir... La vidéo try on Shein, enfin non, c'est même pas une try on Shein, c'est mon lookbook d'automne. J'ai vraiment eu envie de faire ça pour vous donner des astuces, vous montrer comment je porte les vêtements dans le quotidien, même si vous le voyez par les vlogs, mais les vlogs vous voyez rarement quand je suis dehors avec le manteau, si j'ai des chapeaux, des sacs et des trucs comme ça. Donc là j'ai vraiment voulu tout vous montrer, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vais la monter maintenant, comme ça je vais la sortir jeudi, donc elle sera déjà sortie pour vous, vu que demain il y a le try on Shein, ouais comme ça, ouais, nickel, comme ça tout sort cette semaine ça va être la semaine de la mode les gars, et ouais ça va être cool, ça va être cool, donc je vais faire ça, j'ai pas pu tourner du tout, je tousse encore énormément, mais c'est bizarre parce que j'ai pas mal à la gorge, je perds pas ma voix, mais je tousse. On dirait que j'ai fumé toute ma life alors que j'ai jamais touché une cigarette. Moi aussi, j'ai déjà essayé une fois quoi. Donc voilà, je vais aller faire le montage parce que ça va me prendre un bon bout de temps. Et voilà, je suis enjouée. Donc j'espère que vous aussi. On se reprendra plus tard. De toute façon, j'ai plus de batterie. Et de toute façon, on a toute la semaine. Nouvelle journée. Nous sommes mardi. Il est 10h quelque chose. Je pense qu'il est plus de 10h30. Je viens juste de... Ouais, 10h41. Je viens juste de finir de me préparer. Je vous ai pas montré la parure de la semaine. Elle vient de chez Leclerc, comme d'habitude. Soit vous la mettez de ce côté ou de ce côté. Voilà, c'est une vieille parure. On est sur un petit look tout noir aujourd'hui. Un body de chez Shein. Et ce pantalon un peu mom. C'est un mom d'ailleurs, de chez Shein. Et j'ai mis mes dunks. Voilà, comme ça. Elles sont belles celles-là. Je viens de finir de me préparer parce que j'ai pris un peu mon temps ce matin. Et là, je vais chez la madre. De toute façon, aujourd'hui, demain, je serai chez ma mère. Je rentre juste chez moi. Je rentre, pardon, juste chez moi pour dormir. Ma patate est malade. Donc du coup, c'est ma mère qui le garde. Donc j'ai décidé d'aller partager les microbes. Parce que c'est toujours là. Donc je me suis dit, on n'est plus à ça après. Non, je vais y aller vite fait. Donc voilà, comme ils m'attendent, je vais faire ça parce que j'ai un peu pris mon temps, j'avoue. J'ai toujours mon œil qui pleure. Enfin voilà. Hier, j'ai trop bien bossé. Du coup, la vidéo lookbook sort
après-demain. Aujourd'hui, c'est la vidéo chimie qui est sortie. Et voilà, j'espère vraiment, vraiment que vous allez aimer. Donc voilà, bon. J'espère que cette fois-ci, parce que la dernière fois que j'ai mis des manches longues, j'ai eu chaud. Donc j'espère que là, ça va aller. De toute façon, je bouge pas spécialement. Je vais peut-être vite fait aller chez Action avant de passer chez la madre. Voilà, allez go. C'était juste pour ouvrir le vlog. J'ai le droit de parler, hein. Oui, t'as le droit de parler. Yes. Je suis chez la madre. Avec soi-disant un enfant malade. C'est vrai. Oh, oh. L'intonation de ta voix, elle a changé d'un coup. C'est vrai. Oui. Est-ce que tu veux des knackis? Non, merci. Vas-y, assieds-toi. J'ai été chez Action. Oui, vous aurez les knackis, la toux. La les toux de patates. Des frites, vous avez trouvé. Bah, du coup. Non. j'ai été chez Action, j'ai acheté des trucs. J'ai pris des trucs pour toi ici. Vu que je sais pas si t'as ramené tes trucs. Regarde ce que j'ai trouvé pour mamie. Oh, c'est trop... Alors, par contre, il fait pas de musique, il fait juste ça. Ah, oh, mais c'est bien. De toute façon, la musique, c'est entêtant. Il y en avait un autre blanc et c'était des pop-corn à l'intérieur. Toi, Dominique. Tu vas monter ton téléphone, il est où? Il est en... Donc, ça, c'est pour mamie. Non, je vais essayer un... Eh, j'ai acheté plein de trucs. Pour ma patate, j'ai repris ça parce que je sais pas si t'as ramené le tien ici. Il y en a là-haut. Non, mais il y en a un là-haut. Mais c'est pas grave, de toute façon, ça c'est utilisé. Je t'ai pris des liners là, je sais pas quoi. Ouais. Mais regarde, t'as plusieurs. Oui, je sais. Ouais, on va avoir un enfant qui va cramer. Et je t'ai pris ceux que j'ai trouvé. Je me suis dit, c'est pas grave si tu les as en double. Ouais. Parce que comme ça, tu les laisses là. Bah si, tu les laisses là. Tu les as pas chez toi? Si, tu les as. Si, mais celui-là, je le prends. Il faut toujours des couleurs peau. Non, mais ben, tu les laisserais chez mamie. Ces deux-là, je les laisse chez mamie. Hein? Il est venu la dernière année. Ah bah voilà. Mais que ces deux-là que je laisse chez mamie. Non, mais tu... Celui-là, je le prends. Bah, j'aurais dû en acheter deux, alors. Et après, je me suis pris que des bêtises, à part ma mère, elle a pris ça. Comme d'hab. Elle était pas avec moi, mais c'est elle qui a pris. Ah bon? Et puis, elle a pris... Elle a repris ça aussi. Oh, c'est trop bon les Kit Kats. Non, mais je te jure, je vais me transformer en Kit Kat. Mais c'est trop bon les Kit Kats. Regarde ce que j'ai trouvé. Des Kit Kats au popcorn. Oh, ça a l'air trop bon ça. T'inquiète, on va les déglinguer. Ah ouais. Et on va déglinguer ça aussi. Ah. On fait une après-midi horreur. Oh ouais, ouais. Oh, il va faire des cauchemars. Ouais. J'ai pris plein. Oh, regardez ce que j'ai trouvé. C'est quoi ça? Il y était la dernière fois. Non. Si, je l'ai vu. Ah bon? Bah oui. Ah bah moi je l'ai pas vu. Ils l'ont montré sur... C'est, tu sais, c'est pour compter les jours avant Noël. Genre quand c'est à 1, tu mets ça, tu mets sur 1. C'est bon, j'ai compris. Moi je mettrai 24 tout de suite. Bah eux l'ont mis au 21. Entre le 21 et le 22. Ouais. Et bah on est combien aujourd'hui? On est le 20. J'ai pris... Bon, le ça je l'ai vu passer sur toutes les chaînes. C'est du Colgate. C'est du dentifrice à paillettes. Ça me fait les dents pailletées? Je sais pas. Ben, attends, on va regarder. C'est un truc de wax. Un truc de wax. Attends, on va regarder s'il a non, vraiment. Non, je suis jamais là. Hey, il a des paillettes, hein. Regarde, il est mauve avec des paillettes. Ah ouais. Regarde. Comme le mien. Comme mon ancien Colgate. Il était blanc avec des paillettes noires. Les Colgate, il y a toujours des paillettes. Non, pas tout le temps. Bah, le mien, mon ancien, il était transparent avec des paillettes noires. Ok, ok. Ok. Vous savez ce qu'il m'a dit dès que je suis arrivée? Et tu m'as dit dès que je suis arrivée? À part, tata, tu me manques, je t'aime à la folie, t'es la plus belle. Hein? Non. Et m'a dit, bah je vais voler toutes tes baskets. Ouais, c'est vrai. J'ai pris plein de masques. J'avais trop envie. Hier soir, j'avais envie de me chouchouter. Oh purée. Dans la cuisine, là, ouais. Bah oui, vas-y. J'avais envie de me chouchouter, j'ai pris plein de masques. Oh purée. J'ai pris un masque pour le contour des yeux. T'as trop. Hein? T'as trop. Mais t'as non, trop pris. J'en ai pas de comme ça pour contourner. Alors, mais t'as vu tout ce que t'as en dessous de toi? Mais j'en ai presque plus chez moi parce que j'ai tout donné à. Bah t'en rachètes quand il en faut. J'ai pris Pocahontas. C'est quoi la chanson de Pocahontas? Je sais pas, j'avais pas. J'ai pris Blanche-Neige. Neige. C'est quoi la chanson de Blanche-Neige? Arrête de me demander ça, je suis pas fan de Disney, j'aime pas. T'es sûre? Ouais. T'es mon neveu? Oui. Ah, j'ai cru que t'étais pas mon neveu. Ah, Ariel. Et vous avez vu, elle est blanche, elle est pas noire.
Non. T'as pas vu la polémique qu'il y a eu? Non. Ce qu'ils ont fait le nouveau Disney de... Ah oui, ils vont faire un film marié, voilà. Elle est noire. Et donc les gens sont choqués parce qu'elle est noire, s'il te plaît. Ouais. N'importe quoi. Enfin bref, ça c'est encore autre chose. J'ai pris Cendrillon. Mmh. Cendrillon, elle a des musiques, mais son truc à elle, c'est de parler à des souris. Et avec des oiseaux aussi. Ça sent bon, ce qu'elle nous fait à manger, mamie. J'ai pris ça. C'est les masques de Noël. On mange haricots verts, frites... Et des knackis. Ouais, des knackis. Regarde, il y a... Mais arrête de prendre des trucs de Noël. D'abord, il y a Halloween. Ben, Halloween, c'est bon, c'est déjà pris. Il n'y a plus dans les magasins. Et j'ai pris le Père Noël. Et j'ai pris les gels douche. Attention, la bougie, là. J'ai pris ça à la banane. T'as vu? Ah ouais. C'est fraise et banane. C'est un gel douche? Ouais. Ou je peux sentir? Bah ouais, de ouf, ça sent trop. Den. Ça sent pas trop la banane. Non, ça sent la fraise. Ça sent... Non, je trouve pas. Ça sent la fraise. Je crois que ça sent les épices, moi. Il y a des bon, épices de tout, ça brûle la peau. Je te jure. Tu vas avoir les fesses en feu. Oh purée. J'ai pris ça, c'est à la noix de coco. À la noix de coco. Et j'ai pris le même, mais à la mandine. À la mandine. À la mandine. À la mandine. À la mandarine. Amandine. 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 Quand il était petit, l'autre zouzou là, il savait pas dire clémentine. Donc c'est resté en fait maintenant. On dit l'amandine. L'amandine. Comment ça, l'autre zouzou? L'autre zouzou. Tu préférais que je dise l'autre zizi? Et voilà! T'as trop pris comme d'hab. Par contre, des petites cats, c'est un bon achat. Et puis je pense que les feutres. Ouais, c'est un bon achat aussi. C'est un bon achat. Ouais. Ok. Bon, on va se faire un petit relevant, très peu cher. Quoi? On va manger, t'es en train de faire quoi là? J'allais regarder chez Hulk. Et alors comme ça, maintenant, monsieur est fan de Dragon Ball Z. Ouais. Ah là là. T'es fan de Dragon Ball Z, toi? Quoi? T'es fan de Dragon Ball Z? Non. T'as vu, regarde, j'ai trouvé banane et fraise. Ça sent trop bon. Tu veux pas appuyer sur le bouton? Bon allez, je vous dis à plus dans le bus. Nouvelle journée. C'est mercredi aujourd'hui et c'est le jour des enfants. Il est 8h45 je pense. Je suis déjà prête. Je vous ai dit c'est le jour des enfants. Aujourd'hui mon neveu est chez ma mère. Donc on va l'emmener voir l'expo à Chartres. Manga, machin, tout ça. Parce qu'il a pas vu encore. Donc manga, Japon et tout vu qu'il adore ça. C'est un grand fan de Naruto, Dragon Ball, My Hero Academia... l'autre là, One Piece. Je préfère qu'il lise, moi perso ça me va, qu'il lise et qu'il dessine. Je vous montre vite fait ma tenue. Alors aujourd'hui il va faire un peu frais, donc j'ai mis un petit top comme ça de chez Shein, un petit jean avec des poches comme ça sur le côté, hop, toujours de chez Shein, et une veste de chez Shein à carreaux. D'ailleurs celle-ci c'est que celle que je vous présente dans ma vidéo qui est sortie hier, il me semble. Et avec, j'ai mis mes Jordan 1. Regardez comment elles sont belles, celles-là. Elles sont belles, hein. Effet croco comme ça. Enfin, croco, je sais pas trop. Mais bon, je trouvais que ça allait bien. Donc voilà, je vais pas vous refilmer dans le Leclerc de Barjouville, parce que l'expo se trouve dans le Leclerc de Barjouville. Je vais pas vous refilmer dedans. Hop. Petit message du matin. Parce que je l'ai déjà fait la semaine dernière, c'est exactement la même chose. Je risque de vous reprendre chez ma mère si on achète des trucs. Et avant, on voudrait aller pareil au Leclerc de Barjouville, parce que pas au Leclerc, aux Actions de Barjouville, parce que la dernière fois, ils étaient en train de remplir le rayon de trucs de Noël. Même si hier, j'y suis allée, il n'était pas rempli, celui de Dreux, de Cora Dreux. Il n'y avait pas grand-chose, donc j'ai regardé des vidéos. Cette nuit, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. J'ai regardé des vidéos... de certaines nénettes qui présentent ce qu'il y a dans les magasins. Et j'ai vu des trucs de Noël, donc je m'en souviens plus de ce que c'était. Mais j'ai vu des trucs. Et je vais aller regarder ça. Et je vais également, je pense, acheter des choses pour mon swap, calendrier de l'Avent. Et ouais, je vais regarder si je trouve pas... des rubans, des trucs comme ça, parce que j'avais pris du papier cadeau la semaine dernière aussi. Et mon bras est lourd là. Bon, je vais pas partir tout de suite, je vais partir un petit peu, enfin dans un quart d'heure je pense. Donc je vais enlever ma veste pour pas attraper un coup de froid.
Parce que vous savez que la gorge, c'est toujours ça. Je tousse de ouf. Mais hier, j'ai eu mon oncle, il m'a mis sous cortisone. Je crois, un truc comme ça. Donc voilà, mon oncle est médecin. Parce que les gens comme ça ne mettent pas d'autres gens sous cortisone. Bon, et pour ceux qui pourraient me le demander, c'est un sans transfert de chez Sephora. Alors le numéro, je sais plus, honnêtement, il est dans mon sac à main. Et hier, je portais un sans transfert de la marque de make-up que vend Nico, les Addictions by N. Parce que je sais que vous allez me demander, parce qu'il était vraiment magnifique hier. Attendez, je vous montre ça. C'est ça, là, les Power Lips fluides de la marque New Color. Si vous avez envie de passer des commandes et tout, vous pouvez voir avec lui. Et c'est la teinte Maven. M-A-V-E-N. Donc ça, c'est ce que je portais hier. Et ce que je porte aujourd'hui, donc c'est le transfert de chez Sephora. Je me suis dit que toute la journée, ça allait tenir. Et c'est le numéro 41. Voilà, voilà. Et vous savez quoi? La semaine dernière, on n'a pas lu la phrase de la semaine. Donc je vais vous poser. Et puis là, on va en lire deux. Heureusement que j'avais dit que j'enlèverais ma veste. Ouais, on va en lire deux parce que la semaine dernière, on a complètement zappé de le faire. Donc voilà la phrase féminine de la semaine. Hop, on va prendre ça et ça. Donc on va en lire aux deux. Faut que je descende mes poubelles aussi. Alors, la première phrase... Ouh, il y en a des choses. Hein. C'est un grande dame. Donc, Houda Charaoui. Je la connais pas. 1879-1947. Connue notamment pour avoir mutilé sans voix... Mutilé personne. Hein, mutilé personne, vous rassurez-vous. Connue notamment pour avoir milité sans voile en Égypte. Elle fonde en 1919 la Société de la Femme Nouvelle, association visant à apprendre à lire aux jeunes filles défavorisées, et en 1923, l'Union féministe égyptienne pour les aider à accéder à l'université et aux emplois de la fonction publique. Ben, vous voyez, je ne connaissais pas du tout cette grande dame, du coup. Et le deuxième, c'est un Cédi. Il y a moins de trucs dessus. Alors, Cédi. Alors que nous avons le courage d'élever nos filles comme nos fils, nous avons rarement le courage d'élever nos fils comme nos filles. Et c'est signé Gloria Steinem. Elle a complètement raison. C'est pour ça que nous, on ne fait pas la diff. Après, on n'est pas mieux que n'importe qui. Hein, mais on ne fait pas la diff pour les enfants par rapport aux couleurs, par rapport à leur orientation sexuelle, par rapport aux jouets. Mais bon, forcément, on fait toujours la diff. Pour les petites filles, on va prendre... Ça arrive, hein. On va prendre des petits trucs roses avec des licornes, et pour les garçons, ça va être plus les dinosaures et tout. Enfin, bon, ça c'est dans l'habillement et tout ça, mais élevés, par contre, on les élève pareil. C'est-à-dire que ils débarrassent tous, ils font tous le ménage, ils font tous leur chambre, ils participent tous aux courses. Mais bon, après chacun, chacun fait comme il veut entre guillemets, ouais. Mais en 2022, c'est toujours pas ancré, ces trucs-là. Enfin bref, on va pas débattre là-dessus. Je vais aller enlever ma veste. Je vais commencer à checker mes mails avant de partir. Et puis, on se retrouve chez la Madrid, sûrement. C'est la même tête que moi à côté, là. Ouais, ouais, on a été, du coup, on vient d'arriver chez la Madrid. Là, il est 13h. Il va être 13h. Il est 13h07. 13h07. Ma mère, elle est en train de faire à manger, là. Des pâtes à la sauce. Des pâtes à la sauce. Oh. Mais c'est pas pour toi, c'est que pour moi. Non. Du coup, on est allé chez Action, on a pris des trucs qu'on va vous montrer. Et on est reparti donc avec ma patate, on a été au... Ah, c'est une mouche bébé, t'inquiète. On est parti au truc de Leclerc, comme je vous ai dit là. Non, c'est l'exposition du Japon, non, des mangas. Manga, moi j'ai un manga expo, du coup il y avait que du manga. D'accord. Et du coup, bah, on a repris des trucs pour patates. Oui. Vous allez vous dire, là, c'est le haut, on l'a pourri gâté. Oui, effectivement. Encore une fois, on a pris plein de trucs. Bon, on va commencer par ça. Ouais. On a pris un calendrier My Hero Academia. Je crois que c'était 11 euros et quelques. Ça. 11 euros et quelques. Ouais. De 2023. Derrière, vous avez tout ça. Voilà. On a pris ça.
Ensuite, bah, il voulait reprendre ses mangas. Maintenant, je ne sais pas si je vous ai dit, maintenant, il est fan aussi de Dragon Ball et de One Piece. Mais un peu moins One Piece. Un peu moins. Mais il t'aime bien quand même. Ouais. Et du coup, bah, on lui a repris une pop. Ma mère elle en a pris une et moi, j'en ai pris une. Donc, on lui a repris celle-ci de Naruto à 17,99. Et moi, je lui ai pris Sangoku. Ultra Instinct. Avec les cheveux argentés comme ça. Waouh, faut qu'on enlève les prix, c'est moche ça. On peut le déboxer. Ouais, tu fais attention. Et après, au pire, à la fin, on les montre déboxer. Si tu veux. Oui, on te laisse gérer. C'est toi qui gères. C'est mes pop. Ensuite, bah là, c'est tout pour. Ah si, je me suis trouvé un porte-clé. Sailor Moon. Sailor Moon, ouais, avec Luna dessus. Parce que mon porte-clé. Harry Potter que m'avait offert Marjo, il s'est cassé. Donc voilà, voilà. C'est quoi ces fausses tablettes là? Le mec, il a une grosse tête et... Regarde la grosse tête. Bon, en même temps, c'est une pop. Ouais. Il a pas de socle, lui? Il tient comme ça? Oui, tu vois. Attends, je regarde. Non, je crois pas qu'il y en ait. Ouais, il a pas de socle. Il n'a pas de socle. Il aime trop les déboxer, les pops, mais moi, j'aime pas quand il les déboxe. Donc ça, c'est Sangoku. Tu donneras à mamie les boîtes pour qu'elle enlève le prix? Tiens. Ouais. Ma mère, c'est elle qui enlève les prix. C'est bon? Elle est grosse, celle-là! On dirait comme quand on avait acheté une Endeavor. Ah ouais. Ah bah, mamie, elle a réussi direct. Donne-lui l'autre boîte. Attends, je vais enlever l'autre. Non, non, c'est mamie qui fait. Expert. C'est quoi? C'est son Hulk, ça? Ah non, c'est un... C'est son Hulk, ça! Voilà. Les fans de Naruto, ils vont faire haïr dans les commentaires. On va passer à Action, maintenant. Il y avait d'autres trucs de Noël. Il y avait ce que je voulais. C'est quoi cette souris? J'ai pris cette guirlande de Noël. L'année dernière, je ne l'avais pas prise. C'est l'étoile qu'on met au-dessus du sapin. Je ne l'avais pas prise et je regrettais quand je... Je regrettais. Mais quand je voulais la retrouver, il y avait plus. En ch'ti, t'attends. Et en fait, vous voyez, elle s'allume. Je vais parler ch'timi. Je vais parler ch'timi. Donc, j'ai pris ça. Ma mère a pris des boîtes de gâteaux. Comme ça, tous les ans, on les prend. Pardon? Ah, je la mets de côté celle-là. C'est pour ma tante. Elle a repris également des bougies. Pareil, il y a un sachet pour ma tante, un sachet pour elle. Les deux, les deux c'est pour elle? Bon, les deux, c'est pour ma tante. Ah, bah oui, on l'a acheté nous la dernière fois. Ensuite, on s'est pris ça. Je sais même pas combien ça coûte. Moi, j'ai un ticket là, ouais. Ça, ça coûte suspension couronne de Noël 1,99? Non. 1,99, c'est peut-être plus. C'était 1€. Donc vous avez dépensé 6€ dans 5 mois. Ouais, je sais pas. Non, je sais pas. Non, 79 centimes. Ah oui. Non. Bon, bref, c'est pas grave. Donc on a... Tiens, donne à mamie, s'il te plaît, mon cœur. Donc on en a pris 3. C'est accroché dans le sapin, vous avez une accroche, hein. Vous voyez, donc il y avait plusieurs couleurs, mais nous on a pris du vert. Ouais, mon amour, 1,99€, je pense, une couronne de Noël. 1,99€, c'est bien. 1,99€, tu m'en mets une de côté. Une pour toi, une pour la tante, une pour moi. Pourquoi les pop n'ont pas de bouche? Ouais. Bah parce qu'elles parlent pas, c'est fait pour faire beau, il faut qu'elles ferment leur bouche. Ouais. Moi, Noël, j'ai pris ça. C'est ça que j'avais vu. Les photos forts, bord métal, 1,99. 1,99, c'est trop beau. Il y avait aussi en blanc doré. Bah, c'est enfin... Ah ouais, non, non. J'allais dire, bah, c'était sympa. Je reviendrai. Donc moi, je voulais que vert et rouge comme ça. Et l'étoile du sapin, c'est 4,99. Ah, ouais. Ah oui, ah, un truc de manga là. Il y avait des boissons un peu genre iced tea. Bah, c'est écrit iced tea dessus. Tu l'as tout bu? Non. Ah. Non. Et en plus, après, je le mets dans le décor. Après, on la décore, puis tu le vois. Ouais. Ma mère a pris ça pour elle et pour ma tante, des petits anges. Hein? Les deux pour eux. Ah, les deux, c'est pour elle? Bon, bah, les deux, c'est pour ma tante. Il y en a une qui a, je sais pas, un cœur et l'autre un bouquin. Hop, les petits anges en espèce de céramique. Pour la potétose. Il y avait des nouveautés. 3,99€. Ouais. Ça, ça et celui-là. 4.
Bah, toi, c'est ça, c'est mon ticket à moi. Toi, t'en as payé un. Ensuite, on les a retrouvés parce qu'on les trouvait plus. Les trucs d'Halloween. On avait pris la dernière fois le grand chandelier et on avait complètement oublié de prendre les petits trucs comme ça. Et en fait, bah... Voilà. Et on les trouvait plus. Et là, c'est bon, ils en avaient remis. Bien sûr, tiens. On n'a pas regardé parce que j'avais pas enlevé la languette. Ah. Ouais, mais on les avait. Ouais, on a... il a eu peur de la mouche, patate. Ensuite, ma mère a repris ça parce qu'elle avait acheté le truc que fait Pipchit là. Des expressions de tata, ouais. Tiens, ça c'est pour toi, ça c'est un chargeur. Merci. Les fameux chargeurs qui marchent que 5 secondes. Ouais. Tiens. Il y a marqué garantie 2 ans. Non, mais c'est plus garanti. Hein. Tiens, ça c'est ma mère qui a pris ça. N'est-ce pas? Non, c'est tata. J'ai repris ça. Tiens, d'ailleurs, on va boire ça ce midi. Ouais, moi, je vais goûter, moi. C'est trop, trop bon. Mais en fait, si vous en trouvez pas, c'est exactement la même chose que le 7-Up Morito. Hein. C'est exactement pareil. Et après, ma mère a pris ça. Vrai, c'est ma mère qui a pris ça. C'est pour Halloween, hein. Ouais. C'est trop bon, donc on va aller déglinguer cet après-midi. Et j'ai repris des masques pour les yeux parce que hier j'en ai trouvé que un, ceux que je vous ai montré. Et finalement, je me suis dit, non, des fois ça fait trop du bien les masques pour les yeux. Donc j'en ai repris 4 comme ça et j'en ai trouvé un dans le qui était au milieu de nulle part comme ça. T'arrives pas à démêler? C'est dur. Ben, doré. C'est dur. Vegan en plus. Hydratation. Et voilà! Donc voilà, et puis on a fait nos courses bien sûr. Et voilà, maintenant on est pauvres et on va manger des pâtes. Ouais. Ça nous arrange, nous, de manger des pâtes. Après l'effort, le réconfort. Exactement. Après l'effort de m'avoir supporté, le réconfort. Ah, il était excité dans le magasin avec les trucs de manga. Oh là là, il courait partout. Il arrêtait pas d'hurler, de sauter, de danser. Il a touché à tout. On y est allé 2-3 fois. Il voulait absolument retourner à chaque fois. Donc on y retournait. Mais je voulais tout. Oui, ben on n'est pas riche. Il y avait tellement de figurines. Ah bah oui, ben, c'est ce que je vous ai montré la semaine dernière du coup. Donc voilà. Ouais, bon. Fait un vlog là-bas. Ouais, la semaine dernière j'ai montré tout. Bah tu l'as pas vu? Bah faut regarder. Il regarde pas mes vlogs. T'aurais dû m'emmener, on aurait plus de choses. Enfin bref, on vous laisse, nous on va manger. Bon app. Nouvelle journée. On est jeudi. Il est midi 8. Je vous prends que maintenant. Parce que j'ai passé une sale nuit, comme vous pouvez le voir, avec une cuvette. Et une sale matinée. J'avais rendez-vous ce matin chez l'orthoptiste à 9h15, comme tous les jeudis. Et j'ai pas dormi de la nuit. J'ai été malade toute la nuit. Encore une fois, mais je pense que j'ai mangé un truc qui est vraiment pas passé. C'est pas ce que m'a fait ma mère hier, les pâtes à la bolognaise, c'est pas ça. Hier j'ai mangé un plat qui était tout prêt avec des champignons et tout, et j'ai hyper mal au ventre. Je pense que c'est ça qui est pas passé. Donc ce matin j'ai rappelé l'orthoptiste vers 8h. Je suis vraiment désolée parce qu'en fait j'étais prête hein, ce matin. Je me suis levée, il était 7h15. Je me suis préparée, j'ai pris ma douche, je me suis coiffée, je me suis maquillée. J'étais prête à partir. Enfin, j'avais encore le temps parce qu'il était 8h. Et là, je suis partie en courant en toilette. C'est pour ça que maintenant, je me trimballe avec une petite cuvette. Et donc, bah, après, je me suis rendormie. Voilà, voilà. J'avais plein de trucs à faire aujourd'hui. Il fallait que j'aille à la pharmacie. Que j'amène ma mère changer ses lunettes. Chez le coiffeur. Aux Actions, mais de plein sud pour voir les trucs de Noël. Encore, mais tant pis, c'est pas grave. En plus, j'ai un colis qui arrive aujourd'hui chez ma mère, donc tant pis. Voilà, donc cette semaine c'était pas terrible en fait. Hein. J'ai fait que d'aller chez ma mère et d'aller chez Action, et demain je vais rien faire. Donc là, je vais en profiter vu que je suis à la maison pour faire le montage. Je devais tourner aussi des vidéos pour la semaine prochaine que je n'ai toujours pas tourné. Donc il va falloir que je me speed, mais ça sera pas tourné aujourd'hui, ça c'est sûr. J'espère que demain ça ira mieux, que ce sera passé. Donc voilà. Alors vous l'aurez compris, je vais clôturer le vlog aujourd'hui.
Et comme ça, je prends mon temps pour faire le montage et tout. Tranquillou. Voilà. C'est déjà pas mal. Je suis habillée et tout. Hein. J'ai mis genre un grand t-shirt et tout ça. Je me suis lavée, je vous ai dit. Je me suis juste démaquillée parce que j'avais pas à me remettre dans mon lit en mode démaquillée. Et là, je passe seulement Jacqueline maintenant. Là, je viens de finir de laver mes pinceaux et de faire laver la gamelle de Ménard et tout ça. Elle est en train de téter. Ça va, maman? Ouf. Enfin voilà, je vais vous laisser ici. Et je suis vraiment désolée pour cette fin de vlog. Même pour tout le vlog, mais bon, après, comme je dis, j'arrête d'être désolée pour ma vie, quoi. Ma vie si trépidante. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.